Alors, bonjour à toutes et tous, on est ravis de vous accueillir pour la deuxième journée de la semaine de la pop philosophie qui porte cette année, donc c'est la 16e édition, sur le thème que vous avez sûrement vu, l'art pour tous, la grande illusion, point d'interrogation. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Robin Benucci et Olga Biglioni, pardon, que je vais présenter rapidement. Je ne vais pas prendre la parole parce que je ne suis pas là pour ça. Donc, Robin Benucci, vous êtes acteur et comédien engagé. Vous avez travaillé pour de nombreux réalisateurs et metteurs en scène renommés. Vous êtes par ailleurs vous-même metteur en scène. Vous avez été directeur des Tréteaux de France, un centre dramatique national itinérant de 2011 à 2022. Et vous êtes depuis directeur de la CRIE. Vous êtes aussi militant de l'éducation populaire et directeur de l'association ARIA. Donc, merci de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Et vous nous avez proposé un petit topo sur Jean Vilar et l'après. Titre très intriguant, on a hâte de vous entendre. Et votre intervention sera suivie justement d'un échange avec Olga Biglioni. Donc, Olga, vous êtes journaliste à la Provence, spécialisée dans le domaine de la politique et de la culture. Et on est ravis de vous avoir aujourd'hui, puisque vous avez accompagné pendant très longtemps la semaine de la pop philosophie. Donc c'est un honneur que de vous recevoir tous les deux ce soir. Cet après-midi, pardon, parce qu'il fait grand soleil dehors. Alors, je voulais juste vous dire qu'il y a les petits fascicules pour le reste de la semaine. N'hésitez pas à venir les autres jours aussi. Et il y a juste une coquille, je le dis maintenant au cas où je l'oublie. Jeudi, ce n'est pas à 21h, mais à 19h le soir. Voilà. Donc, merci beaucoup pour aujourd'hui et je vous laisse la parole. Merci. Merci pour cette introduction. Merci à tous d'assister à cet échange autour du théâtre de Jean Vilar et de comment Jean Vilar a bouleversé un petit peu et même beaucoup le monde du théâtre. Robin, donc on sait que vous êtes un homme de théâtre, vous êtes acteur, metteur en scène, vous dirigez un théâtre. Donc vous êtes peut-être le mieux placé ici pour nous parler de comment Jean Vilar a orchestré cette rupture avec ce qu'on appelait le théâtre bourgeois. Antoine Debecq, dans l'histoire du Festival d'Avignon, dit que cette rupture-là a valeur de manifeste pour la suite du théâtre en France et dans le monde, dans la manière d'appréhender le théâtre et de l'approcher. Que pensez-vous de cette définition ? Bonjour à chacune, à chacun. Merci à Jacques Serrano, à toute l'équipe de la semaine de la pop philosophie. Merci à Olga d'engager cette conversation. Avant tout, je veux dire que c'est un moment très privilégié que nous avons de la relation des artistes et du public. Les artistes font partie du public et le public est constituant du geste artistique. Donc prendre un moment dans un après-midi de ce mois pour être ensemble, dans un monde qui est extrêmement déréglé, en guerre. Je pense évidemment à la Palestine, à Israël en ce moment et à l'Ukraine et tous les pays qui aujourd'hui sont en conflit ou en bord pour certains de l'être. À notre pays, qui est aujourd'hui aussi dans une situation politique complexe. Donc c'est vraiment une chance de passer ces quelques minutes ensemble à réfléchir autour de grandes valeurs, au fond humanistes, généreuses, qui rassemblent et qui unissent dans leurs projets. Donc la question que vous posez, Olga, de Jean Vilar, il faut la situer peut-être justement en dézoomant un peu sur une époque, celle de la Deuxième Guerre mondiale, de ce qu'a été juste les quelques années avant, les décennies précédentes, en matière de théâtre, puisque ce qui nous rassemble aujourd'hui dans un théâtre, c'est cette réflexion autour du théâtre. Et puis le contexte, en effet, mondial, je n'irai pas jusque-là, mais au moins européen. C'est-à-dire dans ces années de l'après-guerre, dans les mêmes années, au moment de 1946, juste après le Conseil national de la résistance, à qui nous devons un modèle social français absolument exceptionnel, et notre théâtre d'aujourd'hui, et ce que nous pouvons encore en faire ensemble, est issu de cette pensée de solidarité et d'émancipation. En même temps, dans le cadre européen,
Giorgio Strehler, en Italie, en 1948, crée le Piccolo Teatro. Bertolt Brecht, en Allemagne, crée également le Berliner Ensemble. Et en France, dans la suite de ce plus jamais ça de la Deuxième Guerre mondiale, et la pensée peut-être de René Char, une salle de l'avenir, mettait ce rapport à un contexte complètement terrible de la Deuxième Guerre mondiale, le point sur la volonté de se réunir, de s'assembler et de tracer un avenir plus radieux. Tout cela avait été préparé en 1934 puis 1936 par le Front populaire sur certaines pensées. Alors, nous ne remonterons pas jusqu'au cadre helléniste, mais pour parler de Jean Vilar, il était absolument engagé dans cette réflexion, à la fois des Grecs, un théâtre citoyen, un théâtre de partage, un théâtre qui lie le social et le politique. Et c'est dans cette démarche-là qu'il s'est avancé, qu'il a cessé d'être, pour créer ensemble, ben vous disiez ce qu'il a fondé, ce qu'il a rompu sur un théâtre qu'on appelait bourgeois, tout simplement, c'est réservé à une certaine catégorie de la population et non pas pour tous, un théâtre pour tous, pour le peuple. Alors cette acception du peuple, il faut juste la resituer, ça nous permettra même de savoir où nous sommes. Le peuple, vous savez, chez les Grecs, c'est le populos, c'est-à-dire que tout le monde, c'est l'entièreté de la population. Et il y a aussi le plebs, la plèbe, qui est en fait un peuple de ce qu'on va appeler les prolétaires, c'était les esclaves, ou les prolétaires, c'est-à-dire ce qui va être plutôt un théâtre ensuite du théâtre allemand, brechtien. Quand on parle du peuple, vous voyez, la langue française est très riche, et au fond, il y a certains mots, hein, comme apprendre, on apprend de qui, on apprend quelque chose, ben, le mot peuple, il a cette petit écart dans l'acception qui peut nous faire nous tromper dans ce que nous racontons. Quand nous parlons du peuple et du théâtre populaire qu'avaient voulu Romain Rolland, Frédéric Potcher et Jean Vilar, c'est un théâtre pour tous et non pas un théâtre pour les prolétaires. Hein? Donc, c'est important de se mettre à cet endroit. Alors, je vous parle en fait, c'est un homme qui vous parle, qui est né à l'aube des années 60. Donc, je bénéficie de tout ce contexte. Je suis ici d'un milieu très populaire. Mon papa était gendarme, pour ma petite histoire, et ma maman, femme au foyer, qui faisait un peu de couture. Et puis, il y a des comédiens qui sont rentrés dans la maison, qui venaient par un CTP, un conseiller technique et pédagogique, la jeunesse et des sports, dans les années 70, qui venaient pour faire réparer des costumes, pour jouer au théâtre municipal. Et ça m'a conduit, l'été suivant, dans la maison de ce même Romain Rolland. Donc j'ai fait mes premiers pas dans la maison de Romain Rolland. Je me souviens de la veuve de M. Romain Rolland qui lui était décédée. Je vous parle de lui parce que l'héritage de Jean Vilar, il est déjà dans l'humanisme du siècle précédent, du milieu du siècle du 19e, même du 18e si on passe à Condorcet. Donc vous voyez cette pensée de Condorcet sur l'émancipation qui nous amène par l'affaire Dreyfus aussi à une réflexion politique de la libre pensée, de la capacité de distinguer, de l'esprit critique, qui nous amène à la Première Guerre mondiale, Jean Vilar né en 1912, et à la Seconde Guerre mondiale. Tout cela fait que cette France ancrée dans l'hellénisme lointain, puis dans les Lumières, avec Condorcet, hein, cette phrase très belle, tant qu'il y aura des hommes qui n'obéiront pas à leur raison propre, mais qui recevront leurs opinions d'opinions étrangères, le monde sera divisé en deux classes, celle des hommes qui croient et celle des hommes qui pensent et qui raisonnent, celle des maîtres et celle des esclaves. Donc, Jean Vilar arrive là, pétri de ce désir humaniste, ayant été comédien, venant d'avoir une réussite avec un spectacle parisien, appelé par Jeanne Laurent, qui était sous-directrice du ministère des Beaux-Arts, enfin des affaires des lettres au départ, hein. C'était pas tout à fait les Beaux-Arts. Donc on est avant évidemment Malraux, André Malraux, et Vilar crée en 1947 le Festival d'Avignon. Donc vous voyez, je vous ai cité 1947, 1948, l'Europe, etc., et les premiers centres dramatiques qui venaient d'être créés, 1946 Colmar, puis le Centre dramatique de l'Ouest, et votre Comédie de Provence avec Gaston Batty, qui est la petite naissance en fait du Théâtre National de Marseille, au fond, si on en racontait l'histoire, qui était à Aix, donc cette Comédie de Provence. Donc, vous voyez une France en train de se décentraliser.
Parce que Duvin, Copeau et Jouvet avaient déjà fait cette première décentralisation, c'est-à-dire fuir Paris et le parisianisme, fuir le théâtre bourgeois où l'on mêlait pratiquement même théâtre et prostitution ou grands effets scéniques. Un plateau nu, un théâtre d'art, une volonté d'un partage avec le public qui achève la pensée des auteurs. Charles Dullin qui dit le théâtre c'est une fabrique artisanale qui met en contact profond les auteurs et le public. Donc Jean Dullin arrive dans un moment où le désir de création théâtrale mêlé à la relation avec le public, c'est-à-dire ce que nous faisons, hein, la relation avec le public, qui va avoir des noms tout à fait différents. Ces deux pieds d'un tréteau, j'ai dirigé les tréteaux de France, c'était les deux pieds de ce tréteau ancestral. La création et le public, et cette relation que nous avons entre nous, avec le truchement des auteurs. Donc Jean Villard arrive à cet endroit, crée le Festival d'Avignon, nous pourrions en reparler dans le détail, vous connaissez sans doute aussi bien l'histoire que moi, une semaine d'art dans un premier temps, au mois de septembre, et puis ensuite l'année d'après. Mais cette jeune Laurent, femme, il y a peu de femmes dans l'histoire du théâtre, elles sont reléguées souvent plutôt dans l'administration et les traces que nous en avons à ce moment-là. Heureusement, la parité aujourd'hui est devenue absolument une joie. À ce moment-là, c'était une femme extrêmement courageuse. Je cite une autre femme, Christiane Faure, qui était la belle-sœur de Camus, Albert Camus, et qui était à Oran, une institutrice et qui s'occupait des jeunes filles juives. Lorsqu'elle est arrivée en France, elle est rentrée aussi dans ce service. Je cite aussi au passage Jean Guéhenot, qui avait écrit « Changer la vie ». Des noms que vous connaissez peut-être, hein, Geoffroy Dumas-Guillet, Guéhenot, tous ces gens qui avaient préparé dans la lignée de Copeau, Dullin et Jouvet, la décentralisation, et Jean Villard naît, pousse à Aix dans ce contexte. Il est appelé, en refusant dans un premier temps, puis en acceptant le Festival d'Avignon. Réussite que vous connaissez parfaitement du Festival d'Avignon, le premier festival, et on lui propose, en 51, de diriger le TNP. À ses frais, hein, c'est-à-dire qu'il avait un contrat absolument insensé. Alors, il était sur ses propres deniers, responsable du budget, en fait, des déficits éventuels. Et cela crée cette aventure du service public. Pourquoi je suis dans l'introduction, vous voyez, cette question du service public qui ne va cesser de s'articuler autour de cette question de la création, selon les décennies, et cette question de la relation entre nous, public. Cette relation qui va en fait se professionnaliser. Les femmes et les hommes qui, à ce moment-là, étaient devenus des directeurs de centres dramatiques, il n'y avait que des hommes. Je le regrette, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais ces hommes-là étaient des animateurs de la relation avec le public. L'œuvre, le poète, un théâtre émancipateur, c'est-à-dire un théâtre qui fait grandir, un théâtre qui nous divertit, sans doute, parfois, souvent même, mais qui nous fait grandir, qui nous élève. Lié à l'éducation, à la transmission, à l'éducation populaire. Avignon a été fondé là-dessus. Jean Villard continue à chaque fois sur ce thème. Il est un peu pris en défaut, on lui dit oui, mais il y a un public qui reste bourgeois qui va au théâtre. Il venait d'en changer les règles de ce théâtre bourgeois qui était notre demande au gars, de qu'est-ce qu'il a rompu. Le théâtre était à 21h15, 21h30, donc avant ou après le restaurant, on tardait la nuit. La personne qui se levait le matin à 7h était un tout petit peu éloignée de cette possibilité en semaine. Changer les horaires dans un premier temps, appeler le spectateur s'il le souhaite à la sortie de son travail. C'est pourquoi tout d'un coup, tout un pan de ce peuple plébéien ou ce peuple prolétaire était éventuellement suscité et appelé, puisqu'il pouvait venir au théâtre à partir de 18h30, parfois même danser les week-ends, manger, partager le repas, et aller au théâtre ensuite et ne pas se coucher au-delà de minuit, qui était l'heure des métros parisiens. Donc, changer les horaires, plus de pourboire, vous le savez, cette relation intimidante des lieux. Chanot, c'était un lieu intimidant. Heureusement, il est allé à Suresnes dans un premier temps pour perfectionner tout cela. Le bal était beaucoup à Suresnes. Et j'ajouterais la relation aussi avec le public tellement intense, puisqu'il y avait des petites revues. L'esprit critique était développé. Donc, il y avait trois dimensions très importantes qui perdurent d'ailleurs encore aujourd'hui. On fera peut-être, quand on se parlera ensuite, de qu'est-ce qui nous reste de cet héritage. Je voulais parler de l'héritage de Villard avec cette lignée. Maintenant, nous sommes
question. Donc, ce qui nous en reste, au fond, ben, les horaires. Il nous reste. Villard, à ce moment-là, avait une relation, outre que l'expérience esthétique du spectateur, c'est-à-dire l'œuvre qui est merveilleuse devant quelqu'un qui vous fait une épiphanie, hein, il y avait cette relation critique. On discutait du spectacle. On débattait du spectacle. On écrivait ce que l'on avait vécu dans la, le rapport à ce spectacle, d'un point de vue scénographique, le jeu des acteurs, le décor, évidemment, l'ensemble de tout cela, la façon dont on était reçu dans le théâtre. Donc cette relation avec le public, elle a été absolument la marque de ce début service public, et c'est sur cet endroit social, politique, un théâtre qui élève, qui fait penser, qui permet d'émanciper, un rapport social ouvert, un élargissement donc des publics, que s'est fondé les politiques culturelles lorsque André Malraux arrive en 1959. Là où ça commence, je suis né dans ces années-là, je le vis au quotidien, hein, c'est-à-dire que je suis dans une petite ville de province, il n'y a pas beaucoup de choses, puis d'un moment on fait des costumes, donc quand j'ai 14-15 ans, tout d'un coup là, ça me réveille, je vais chez Romain Rolland, et je vois que je suis un peu dans un divorce déjà de famille, parce qu'il y a en effet déjà ceux de l'éducation populaire qui commencent à être un peu ringardisés, pour faire vite, hein. Et puis le début de ces années 60, soit, qui sont en train d'évoluer, la fin des années 70, d'être une relation publique qui est en train de se transformer. C'est-à-dire qu'André Malraux propose l'idée généreuse que nous devons accéder tous à ses œuvres, dans cette espèce de chemin vers l'œuvre qui, comme une épiphanie, nous transforme. Moi, j'avais vécu le fait que l'éducation populaire était ce qui vous transforme parce qu'elle vous reconnaît dans ce que vous êtes capable vous-même de culture, en fait. Moi, j'étais issu de la Corse d'un côté et de la Bourgogne de l'autre. Il y avait chez Copeau du Lin, cette relation à Perlan-Vergelès avec les vignerons, Romain Rolland, le théâtre du peuple et Potcher dans les Vosges, c'est la relation au monde des forêts vosgiennes. Là, on nous disait qu'il fallait que les œuvres soient accessibles à tous. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil comme projet que de reconnaître la capacité d'être vrai soi-même, d'être soi-même. Ça place déjà les artistes à un certain endroit. Vous voyez, d'un monde qui commence à se transformer dans la relation tout simplement avec le public. Donc, je vis ces années 70-75 par mes stages de réalisation, et j'ai cette chance, j'en parlerai peut-être après, sur ce que nous avons construit donc, en Corse, autour de cette question fondamentale, quand je me suis posé des questions toute ma vie de cette relation entre nous, vous et moi, moi et vous, quand je suis public, et avec ce qui se passe sur un plateau, et de notre solidarité, notre égalité aussi dans ce rapport, à qu'est-ce qu'était la position du public. Donc, je fais des stages de réalisation dans une grande exigence, c'est-à-dire qu'on a pensé que l'éducation populaire pouvait être dans un manque d'exigence. En gros, c'est un peu socioculturel, et puis, c'est pas très exigeant. Les amateurs, on parle moins bien et mal des amateurs à ce moment-là, alors que amateur, c'est un mot magnifique. Moi, je continue à être un amateur aujourd'hui. Donc je sens un petit divorce entre les premières rencontres que je fais avec ce théâtre du peuple et cette éducation populaire, et puis la chance que j'ai de cette exigence théâtrale dans laquelle je suis confronté, dans ces stages à Valréas, d'ailleurs en Provence, on n'est pas loin d'ici, qui me conduisent à l'école du Lin. Donc, du Lin, je fais mes cailloux de petit pousset, je peux aller n'importe quelle école, pas dans une école privée, non, l'école du Lin, et qui me conduit au Conservatoire National Supérieur de Dramatique. Quand vous êtes au Conservatoire National Supérieur, dans les années 70, donc, et j'essaie de tracer des décennies avec mon parcours. Les années 70, c'est une élite, on est 12 élèves, 12 garçons, 12 filles. On est promu, lorsqu'on est élève au Conservatoire, à devenir un acteur qui va peut-être aller à la Comédie Française d'un côté. Voilà, c'est extraordinaire, évidemment, mais pas tous n'ont envie de cela. Et ou à devenir un garçon ou une fille qui fait du cinéma. On est dans les années 70. 80, pardon. Alors là, ça, pour moi, c'est le divorce. C'est-à-dire que tout d'un coup, je fais du cinéma, beaucoup, on est très très bien payé, d'un coup, mais je vois s'éloigner ce grand cheminement dans lequel j'avais été réveillé, peut-être même vécu une renaissance, par cette rencontre de l'éducation populaire. Et j'entends que faire du théâtre, au fond, c'est moins bien que de faire du cinéma, et devenir vedette, etc. Et on vous pousse un peu dans cette direction. Donc voilà les années 80 qui se profilent.
Les années 60-70, 59 Malraux, années 70, perte de la relation vraiment avec le public. On ne parle jamais du public quand je suis au conservatoire. On devient vedette, hein, en gros. On va jouer, je viens jouer dans la cour d'honneur à 20 ans. Enfin, voilà. On n'est plus trop la relation avec le public. Et on arrive doucement à perdre ce sens-là. Et j'ai eu d'envie toute ma vie, pardon, que de rassembler ces deux familles de la relation avec le public et de la création exigeante, pour ne pas qu'on dise qu'il y avait une qui était une famille du socio-culturel et l'autre qui était très élitiste. Donc c'est un peu de ça dont je vous parle aujourd'hui, en dirigeant notre théâtre, le National de Marseille, la Crinée, qui est votre théâtre, et en tentant, dans la chance que nous avons, bah, de resituer dans mon parcours et dans le nôtre, hein, de ces décennies, ce que nous sommes. Jacques Lang arrive en 1981, l'artiste, après que ce soit l'œuvre qui fasse son épiphanie, Malraux, c'est l'artiste. Poser un artiste quelque part, il transforme la société. C'est pas tout à fait sûr, parce que la relation avec le public, encore une fois, qui à partir de ces moments-là s'appelle médiation, qui devient la part d'un métier à part, qui n'est plus l'homme de théâtre qui dirige une maison, qui fait ce travail de relation avec le public, comme Jean d'Asté à Saint-Étienne, Virginie à Strasbourg, Maurice Sarrazin à Toulouse. On appelle des femmes, souvent pas très bien payées, il faut le dire, là elles sont nombreuses, dans les relations avec le public. C'est comment la charge d'aller chercher dans des niches des publics. Le public qu'on va appeler empêché, qu'on va appeler le public défavorisé, le public marginalisé. Ce qui fait que l'ensemble du public que nous sommes, qui ne sommes pas nécessairement en prison, puisqu'on crée des niches pour aller jouer dans les prisons, on vous aide pour aller jouer dans les prisons, ou aller à l'hôpital, ou aller à l'école, qui est le premier foyer, on aurait pu commencer par là. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons rencontré un maître, une maîtresse, dans les notes primaires, puis un professeur qui nous a conduit ou travaillé avec nous sur le théâtre à l'école, et puis on est emmené dans un théâtre. Donc, ces métiers-là, de la relation avec le public, ont perdu leur sens en étant dépossédés de la part des directrices et directeurs et confiés à des métiers, qui deviennent des métiers de médiation. Et nous sommes encore dans cette période-là, des années 90, où nous, c'est l'apogée de cela, et un théâtre public ben, qui aujourd'hui perd quand même beaucoup de ses moyens, hein, ce qu'on appelle le disponible pour l'activité dans un théâtre, une fois qu'on a enlevé la masse salariale, les charges de fonctionnement du théâtre, qui sont devenues souvent devenues très massifs. Alors, il faudrait parler des architectures de tout cela, eh bien, au fond, ben, il est difficile, en fait, tout compte fait, de nous retrouver autour de ces deux axes, ces deux pieds, vous voyez, du tréteau, création d'un côté et relation avec les publics d'autre part. Donc voilà dans un premier temps, si vous voulez. Justement, oui. Vous avez brassé beaucoup d'idées, le théâtre citoyen, le théâtre politique, la relation avec le public, la manière dont elle a pu évoluer. On sait que la plupart des lieux culturels sont encore à la recherche, il y a même des opérations qui sont menées ben, par Dominique Buzet, d'ailleurs, qui dirige ce théâtre ici, du aller vers les gens, puisque tout le monde ne vient pas vers la culture et vers le théâtre. Le théâtre reste encore un lieu qui peut être intimidant pour certaines personnes. On a parlé aussi d'exigence. On parlera après souvent de la manière dont parfois ça peut se retourner contre le théâtre aussi, cette volonté d'exigence que l'on recherche tous hein, quand on est dans les gradins, quand on est dans le public. Avec tous ces outils, comment on s'empare justement de cet héritage de Villars quand on dirige un théâtre dans une ville comme Marseille, qui est une ville pas simple, hein, avec beaucoup de pauvreté, avec justement des quartiers, bon, je ne dirais pas défavorisés, puisque vous avez pointé la manière dont on allait vers ce théâtre dit empêché, mais comment on parle à tous ? Oui, alors c'est la question de chaque décennie que je continuais à déplier comme ça, ce ne sont jamais les mêmes étanchéités. Enfin, ce n'est pas la même chose, même si on remonte à Dulin, Copeau, Jouvet, dans les années 1920, la guerre 14-18, la relation avec le public, le grand théâtre parisien, les boulevards, on les appelait, hein, les grands boulevards du crime, etc., où le théâtre était lié à la prostitution, hein, plus ou moins. C'est pas la même chose à cette époque, d'un copeau qui est lié à la campagne,
pour déthéâtraliser le théâtre et ses effets spéciaux, retrouver le théâtre d'art et le poète. C'est pas la même chose pour Jean Villard, parce que c'est la Deuxième Guerre mondiale et qu'on vient de vivre l'horreur des camps. C'est pas la même chose dans les années des Trente Glorieuses, où tout d'un coup la nature de la consommation américaine et de la montée du capitalisme compulsif au fond dans lequel nous sommes toujours, est en train de naître, et le confort individuel, individualiste. Quand on parlait des platoniques, enfin, des Grecs ou de Condorcet, on parle d'individuation, c'est-à-dire de capacité d'agir par soi-même, de penser par soi-même, d'augmenter sa capacité d'agir. Il y a Kant derrière tout ça, ose savoir, Spinoza sur la capacité de faire. Si vous voulez. Donc les décennies ne sont pas les mêmes. Quand on est là, pour le coup, empêché dans la Deuxième Guerre mondiale et qu'on n'a pas d'électricité à la sortie de la guerre, même l'alimentation, qu'on ne peut pas. On subsiste à peine. Villard arrive dans ce contexte, c'est pas la même chose 60, 70, 80. Mais aujourd'hui. Alors, comment aujourd'hui, les assignations dont nous parlons, certaines restent les mêmes. Se déplacer pour venir au théâtre, pour parler de Marseille, ça peut être compliqué pour certaines personnes, pour rentrer le soir. Oui. Et pourtant, le spectacle peut être à 19h, comme nous le faisons à la Criée de temps en temps, ou à 20h. Il y a des publics marseillais qui, pour des questions d'assignation géographique, alors, on pense à Marseille, mais on pense à toute la France en même temps. Ça peut être dans la ruralité. Se déplacer pour aller au théâtre, si on n'a pas de voiture, en général, les gens doivent avoir une voiture aujourd'hui quand ils vivent à la campagne, parce que ça signifie vie sociale, de coûts, etc. Mais bon. L'assignation géographique reste un problème. L'assignation financière reste un problème. Pour l'instant, nous parlons, vous voyez bien, du service public, c'est-à-dire de subventions qui aident à ce que la place du spectateur soit minorée au maximum. Une place peut être à 6 euros, à 15 euros, à 10 euros maximum. Dans le théâtre privé, allez voir le prix des places. Le prix moyen dans le théâtre privé, c'est 30 euros. Voilà. Donc, l'assignation financière, hein, de pauvreté éventuelle, est un problème. Ce qui est dans le théâtre public réparé par l'aide. Une nouvelle assignation, nouvelle, pour parler de quelque chose de très nouveau, la captation de l'attention. Aujourd'hui, nous devons travailler sur une étanchéité naissante depuis seulement une décennie ou un peu plus, deux pratiquement, de la captation de notre attention. Les gens, le capitalisme, spéculent sur notre attention pour nous amener à des cibles marchandes ou sans arrêt, vous cherchez une information, puis vous avez ce qu'ils appellent des pop-up d'informations publicitaires qui viennent vous dévorer le cerveau, qui vous captent votre attention, qui fait que vous êtes pour des jeunes, par exemple, sur des réseaux sociaux, 4, 5, 6 heures par jour. Chose qui n'existait pas avant. Vous voyez, c'est une nouvelle assignation de capacité de ne pas penser par soi-même et d'un esprit critique qui est très très diminué. Autant nous avons, je crois, beaucoup évolué culturellement, de manière générale, alors, je ne dis pas artistiquement, et les mots c'est important, on pourrait dire qu'est-ce qui distingue les deux. Le culturel, c'est la relation à l'art. Ce n'est pas tout à fait la même chose que pratiquer un art. Je crois que quand on pratique un art, on a une véritable éclosion et une émancipation, une élévation. La pratique artistique. La culture, c'est autre chose. On peut défiler devant des statues avec des petits gilets et qu'il ne se passe rien. Donc on va vous compter en nombre, mais il ne s'est pas passé nécessairement l'épiphanie dont parlait André Malraux. Donc nous restons très inégaux dans ce domaine du désir d'avoir été dans l'école. Alors aujourd'hui, c'est le chemin de l'éducation artistique et culturelle qui, je crois, est un projet qui a passé les 40 ans, les 50 même. Hein. C'est-à-dire que si nous avons été sauvés par des enseignants, il est encore temps aujourd'hui de penser que malgré l'abandon des formations initiales, continues, des enseignants d'éducation nationale, sur laquelle on pourrait parler des heures maintenant, l'éducation artistique reste un projet très important. Comment on fait ? Par l'éducation, l'éducation artistique dès le plus jeune âge, la formation des enseignants. Comment on revoit les formes, les invitations ? Parce qu'on a tous connu la sortie au théâtre en classe de, je ne sais pas, de troisième, où les gamins arrivent face à un texte souvent très sophistiqué, sur lequel ils n'ont pas travaillé avant. Ils n'arrivent pas à te capter parce que les comédiens, ils ne les sentent pas. Ils sont dans un lieu où ils ont surtout le sentiment qu'ils gagnent du temps parce que pendant, ils ne sont pas au collège. Comment repenser cette forme-là, justement ? Je fais juste l'insiste de vous dire que
il ne s'est pas passé depuis les 70 ans dont on vient de parler le moment qu'ont vécu certains adolescents, jeunes gens d'aujourd'hui, dans les années que nous vont vivre du Covid. Personne ne l'avait vécu, ça. C'est-à-dire que les 2 ou 3 ans qui peut-être nous ont transformés quand nous étions en seconde, souvenez-vous, en première, souvent, quand on est des adolescents qui commencent un peu à penser, on est sorti un tout petit peu de notre état, parfois l'adolescent léthargique, eh bien certains jeunes gens du monde, pour ne parler que de la France et de Marseille, n'ont pas connu la sortie au théâtre. Ils ne l'avaient pas forcément connu avant, et dans ces 2 ou 3 années-là, vous voyez ce que ça pouvait être de considérer que ça n'était pas un geste essentiel d'aller au théâtre, malgré la possibilité d'être masqué, de savoir qu'il y a lieu de culture à ce moment-là. Le théâtre ne véhicule pas le virus, puisque nous étions masqués et que les acteurs... Bon, mais vous voyez, ça, c'est la seule chose. Eh bien, il faut continuer à penser que c'est sans relâche la formation des enseignants, la trilogie de création, transmission, formation, éducation populaire, qui est la bannière de la criée, hein, de notre théâtre aujourd'hui. Alors, on peut s'en parler si vous le souhaitez. Hein. J'ai été nommé sur un projet, et je suis heureux de l'étudier. C'est celui de Jean Villard et avant, parce que je vous ai dit l'héritage. Notre héritage, il est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a encore des femmes et des hommes qui considèrent que revenir à cette réflexion humaniste de la trilogie de l'expérience esthétique avec une œuvre, de la pratique, deuxième expérience, l'expérience pratique, faire du théâtre, travailler avec des enseignants qui pratiquent le théâtre ou former les enseignants, former les amateurs, la pratique et l'expérience esthétique discursive, le débat, cette trilogie-là de ces 3 expériences, c'est la base même de la relation. Et c'est pourquoi le théâtre, alors je sais que dans la semaine de la philosophie, on aborde l'art en général. Le théâtre est un morceau des arts. Mais ce théâtre, il est quand même très citoyen. Vous voyez combien, c'est pour ça que je suis remonté aux hellénistes, combien les Grecs en avaient pris le théâtre comme objet de citoyenneté. Parce qu'il véhicule la parole, parce qu'il véhicule l'imaginaire par le langage qui n'est pas tout à fait la même chose que la musique, qui est beaucoup plus sensorielle. La phrase, le mot, la France, dans sa langue, par exemple, elle a été pour Jean Villard quelque chose de la reconstruction, vous voyez, de l'Europe et de cette période. Donc je crois que c'est Francis Ponge qui dit une très belle phrase. Servir la République, c'est donner force et tenue à la langue. Donc ça aussi, c'est un autre endroit. Mais la question du langage et de la langue. Et des formes qui sont arrivées dans les années 70, qui font qu'on a réverdisé un peu ces femmes et ces hommes dont je parle, qui étaient les animateurs qui sont dans ce cadre que j'évoque, pour les remplacer par des jeunes metteurs en scène masculins la plupart du temps, qui tuaient le père, hein, on peut les citer, hein, Jean-Pierre Vincent à Strasbourg, Patrice Chéron dans un deuxième temps, qui sont des artistes formidables. Alors, ma chance, c'est vrai que j'ai du plaisir en toute humilité à vous dire ça, c'est que j'ai vécu profondément, puisque j'ai joué dans mon parcours, en disant que j'ai commencé chez Robin Roland, j'ai joué avec Antoine Vitesse, des choses longues, le soulier de satin, vous voyez, dans la cour d'honneur, ou Patrice Chéron, Annette, ou Roger Planchon. Donc, je les ai connus, si vous voulez. Oui. Donc, ça m'intéresse aujourd'hui de témoigner de ce que nous, ils ne sont plus là, de ce que est l'histoire de l'héritage et comment, en tant que jeune homme ou jeune acteur, je pressentais le chemin où nous sommes. Voilà. Et alors, maintenant que vous êtes aux manettes de ce grand théâtre, comment repenser notamment justement l'accueil des jeunes? Alors, Chéreau, Vincent, aujourd'hui, Oscar Meyer, par exemple, sont des gens qui arrivent à faire venir les jeunes sur leur nom. Comment repenser l'accueil, comment repenser une programmation pour que on touche sans aller les chercher en les traitant toujours de public défavorisé ou de public empêché ou de public sans argent, parce que c'est une façon qui n'est pas très valorisante au final, hein, d'être qualifié. Comment aller chercher les gens qui d'eux-mêmes ne viennent pas vers les textes, ne viennent pas vers le théâtre? Vous parlez d'une notion importante, c'est le désir. Hein. C'est-à-dire que créer le désir, ça c'est une sacrée histoire. Le désir, c'est un désir d'infini, de ne jamais être rassasié, de quelque chose qui n'est pas là. Hein. C'est la désidération, le désir. Pour ceux qui c'est vraiment le mot de désidérer, c'est-à-dire désirer, voir au-delà du sidus, quelque chose qui n'est pas. Or, nos sociétés de confort nous amènent à toujours considérer du connu et surtout à nous orienter, à nous sidérer justement, être nés dans cette sidération. Donc, c'est une rude tâche de décoller les gens de la sidération et de les faire désirer.
Alors, est-ce qu'on peut faire désirer? Je ne crois pas. En revanche, il y a tous les processus de notre pays, la France, sur l'école de la République, sur les services publics dont nous parlons, qui consistent à permettre à un moment, à un enfant, de rencontrer, et ça c'est tous les enfants dans le cadre scolaire, puis ensuite, dans le cadre des associations. Donc comment on fait? On s'appuie dans le partenariat, avant toute chose. Le partenariat avec tous les publics là où ils sont. Alors, les niches dont je parlais, c'est-à-dire en fait le milieu carcéral, le milieu de l'école, j'en ai parlé suffisamment du milieu de l'école, la nécessité depuis l'enfance, ne pas oublier tous celles et ceux qui travaillent aujourd'hui dans les centres sociaux, dans les maisons de quartier, s'appuyer à travailler à leur objectif qui consiste à travailler avec ces populations. Le souci pour moi, ce n'est pas de les tirer à la criée, c'est d'avoir une relation avec cette fameuse relation avec le public. Alors, ce n'est pas seulement les amener devant des œuvres, c'est parfois écrire avec ces populations. Ça peut aller depuis le plus proche de chez nous, dans le premier arrondissement, à Noailles, et travailler avec les femmes de Noailles sur un terrain qui est très simple. Par exemple, on vient de faire une œuvre, je ne sais pas si vous allez à la crier, une œuvre autour du Pilon, qui était le jour de l'ouverture de la crier. Nous avons fait un spectacle avec Marie-Josée Ordener et sur la question de la nourriture. Donc on peut travailler ensemble sur ce qui nous constitue, c'est-à-dire le repas, et se rendre compte que des femmes du monde entier étaient venues à la crier depuis l'Amérique latine, tout autant que l'Afrique et les quartiers de Noailles, sur le plateau de la crier, pour raconter le Pilon à travers une œuvre écrite sur place. Vous avez vu ce spectacle? C'était un spectacle vraiment créé avec ce groupe de femmes de Noailles, au milieu d'autres femmes du monde entier, et un spectacle autour de ce Pilon, qui est un objet à la fois phallique, qui est la condition de la femme aussi, et qui est le quotidien de la nourriture, surtout, et une certaine puissance, je dirais, de la nourriture et du travail de vie autour du repas. Donc, c'est ça, c'est travailler sur Échille avec un groupe qui s'appelle Organon, par exemple, ou dans d'autres quartiers, là, c'est plutôt du côté de la Belle de Mai, on travaille sur les suppliantes d'Échille avec les jeunes gens du quartier. Donc, bien sûr, le projet, c'est que vivre dans un théâtre construit en 1981, aussi magnifique que la Criée, qui sont de belles salles noires, c'est fondamental. Il faut remercier les 3000 spectateurs abonnés, il y a encore des abonnements à la Criée, on a des pratiques différentes, on est moins abonnés qu'avant, mais qui sont les fidèles et qui peuvent venir deux ou trois fois dans le mois ou quelques fois dans l'année, mais élargir à celles et ceux qui ne viennent pas. Donc c'est déjà aller vers eux. Vous parliez de notre ami Dominique, il va aussi vers parce qu'il n'a plus beaucoup de lieux. Oui, parce qu'il a un théâtre fermé pour travaux. Alors, sans faire de scission et de dichotomie là-dessus, mais enfin, c'est la vocation du théâtre public, c'est de toute façon d'aller à la rencontre. Donc, ben, nous avons la friche de la Belle de Mai, nous allons au théâtre de l'Astronef, dans l'hôpital Gustave Toulouse, nous allons à un lieu public. De regarder la programmation de la Criée pour voir ce que nous faisons avec des œuvres où l'on représente sur le plateau des gens qui ressemblent à la population de Marseille, c'est-à-dire qui est très diversifiée, et une jeunesse, une présence féminine. Donc il y a toute une partie de la population qui parfois est un peu oubliée aussi sur les plateaux. C'était la place des femmes metteuses en scène, par exemple, que nous venons de présider l'association des centres dramatiques. Donc il y a 38 centres dramatiques, la Criée en latin. Et bien, nous avons, dans le temps de ma présidence, entre autres, avec toute une équipe qui continue aujourd'hui, à rendre la parité absolue dans les centres dramatiques. Ce n'était pas du tout le cas avant. Je vous ai parlé des hommes qui étaient les barons, parfois pendant 20 ou 30 ans, dans les lieux de théâtre. Et vous serez comment à la parité? Elle y est déjà. Il y a peut-être une... Ça varie selon une année, selon une entrée. Moi, je suis arrivé à la Criée, il y avait évidemment trois jeunes femmes et trois hommes qui a été sélectionné. Il se trouve que c'est en nommant mon projet, en écrivant, qui est celui que je vous raconte, pas autre chose. J'ai été nommé, j'ai cette chance, en étant un homme blanc, aujourd'hui de 65 ans, qui prend cette responsabilité. Mais c'est parce qu'on a jugé État, ville de Marseille, département, région, que ce projet était encore celui qu'il fallait conduire dans le cadre du Centre dramatique national de la Criée. Donc j'en suis extrêmement heureux, mais j'aurais volontiers donné ma place, ou travaillé toujours vers le fait qu'une jeunesse doit être présente. Moi, je suis plus dans un cadre de transmission.
Mais il y a des artistes associés. Tous les artistes qui sont à la CRI aujourd'hui, d'une part, moi, je ne capte pas les moyens financiers ni les plateaux. Je vais m'arrêter de faire une mise en scène dans l'année ou sur 18 mois. Parfois un peu provocante, je ne sais pas si vous l'avez vu à la paix, qui était un spectacle pour lequel avec lequel j'ai commencé, qui était en fait une façon, on pourra en parler si vous le souhaitez, de frictionner et d'entrer en relation avec le public, y compris dans la critique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Mais dans les invitations pour moi qui comptent, ce sont beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes gens, de groupes, qui parfois ont été mes élèves au Conservatoire National, puisque j'ai enseigné ici au Conservatoire National pendant une douzaine d'années, comme le Nouveau Théâtre Populaire qui vient de faire un travail sur un beau travail sur Balzac, sur un spectacle de 5 heures dans une filée et puis en 3 fois 2 heures, je ne sais pas si vous avez vu ce spectacle, ou bien le groupe 49-701 avec lequel nous sommes allés, donc à lieu public, à la Friche, à la Citadelle, jouer en extérieur à la rencontre des publics. Donc une grande jeunesse sur le plateau, beaucoup de femmes sur le plateau, et les femmes de toutes les couleurs, ça va de soi, en invitant des artistes qui représentent au mieux la population de Marseille, telle que je la ressens. Et puis toujours en faisant avec vous, enfin, on n'est pas dans le cadre de la CRI, là, ici, mais avec le public, en tentant de dialoguer, de se dire qu'est-ce qu'on fait, pourquoi nous avons ce désir de nous réunir à 14h un dimanche pour parler de théâtre et d'héritage de ce qui est des valeurs qui nous sont transmises. Alors j'aurais beaucoup aimé qu'on puisse parler justement de cette exigence qu'on met toujours un peu en contradiction avec le côté populaire. J'aurais aimé qu'on parle aussi de ce procès en élitisme qui est constamment fait au théâtre et notamment au Festival d'Avignon, création de Villard. Mais je pense qu'il est l'heure de laisser la parole au public déjà. On peut continuer avec vos questions. Alors, il y a peut-être des questions qui porteront sur ces sujets-là, s'il y en a. Il y a normalement un micro qui doit pouvoir circuler. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions en lien avec ces sujets que nous avons abordés? Bon, on va continuer alors, s'il n'y a pas de questions. À tout moment, prenez la parole. Vous pouvez nous interrompre. Oui, ce procès en élitisme qui est fait constamment au théâtre et au Festival d'Avignon, comment vous l'analysez, vous? Je pense que ça aurait beaucoup fait rire Villard. Et comment sortir de cette approche-là, sachant que le Festival d'Avignon, c'est quand même souvent un laboratoire du théâtre contemporain mondial, hein, et que de ce fait, ben, il y a forcément des pièces un peu moins faciles d'accès, mais c'est aussi l'intérêt de provoquer la découverte. Oui, qui est une part d'inconnu. Bon, Jean Villard était beaucoup sur cette question du plateau nu, de l'acteur, de l'actrice, donc, qui est le serviteur, la servante du théâtre, de l'auteur, de la langue, surtout, du texte. Voilà. Alors, il y a des époques à Avignon où il y a moins de texte, voilà. On se dit, bah, le texte, on n'en veut plus. Où les formes, ça a donc commencé dans les années 70, où les formes prennent le dessus, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une forme très particulière, mais le Living Theatre, vous vous souvenez, Julian Beck, etc. On se met tout nu, on fait un grand tas. On est dans les années 68. Hein, c'est ce qui est la chute de Villard, au fond. Ça vaut pour subversion. C'est-à-dire qu'on est tout nu sur la scène, il y a quelque chose. Ah, il se passe quelque chose qui balaye le théâtre à papa. C'était ça, quand même. Hein. Maintenant, c'est presque le contraire. S'il y a quelqu'un à poil sur le plateau, on se dit « Oh, encore !» Encore. Oui. Bon, vous voyez, c'est la forme, tout d'un coup, qui devient... Et donc, il y a des éléments récurrents quand même, qui est que, j'ai pensé en vous disant cela tout à l'heure, la parole est de moitié à celui qui la prend et à celui qui l'écoute, en vous proposant de prendre la parole. C'est que le spectateur achève une pensée, c'est-à-dire un champ symbolique qui fait qu'il se passe quelque chose qui est montré en partie, que l'autre, cet œil qui voit le tableau, est en train lui-même dans sa subjectivité de ressentir et de vivre, et puis ça se vit tous ensemble. Solitairement, mais tous ensemble. C'est propre à l'art, hein, que la part du public est constituante au théâtre. Et de plus en plus d'adresse au public, d'ailleurs, hein, oui. Actuellement. Alors, chez nous, à la CRI, vous l'avez peut-être remarqué, donc, à la paix, elle était à ce point de volonté de dire allez, on est ensemble, on va oublier qu'on est là pour voir qu'est-ce qu'il est venu faire dans son spectacle.
Moi, ce qui m'intéressait, c'est de prendre des élèves de l'ERACM en formation, qui ont des acteurs qui ne sont pas du tout formés pour l'instant, ils sont formés, et de les avoir sur le plateau, qu'ils aient cette jeunesse, de prendre des jeunes gens qui ont cette voix de Marseille qu'on n'entend pas souvent, parce que ben, voilà, ils étaient, je suis allé le chercher là, ou une jeune fille qui était trisomique, parce que c'était un signe que je voulais faire sur cette question. Et puis, c'est, on met tout ça, on prend Valetti, parce qu'il est marseillais, tout simplement, et puis on va à Aristophane, parce qu'au fond, ben, il nous trace quelque chose. Il y a certains qui peuvent se dire, oh là là, c'est trop, quoi. On voit toute cette eau marron sur le plateau, on a compris, et c'est le caca. Oui, mais je trouve bien que le monde est quand même bien dans la merde. Et que symboliquement le rappeler, même physiquement aussi. La force de la métaphore. Bah oui, plus que ça, même le signe, à quel moment on peut se dire qu'on a besoin d'être ensemble, unis et assemblés dans une communion laïque, et se dire un appel, venez quoi, venez, mettons-nous ensemble, là. Y compris à nous critiquer, il faut, dans le débat. Il y a quelqu'un qui lui parle. Jacques. Ah ben Jacques. Oui, voilà, je voulais avoir votre sentiment sur une phrase qui était formulé de manière critique par Peter Brook, un metteur en scène que j'ai beaucoup apprécié. Venez partager avec nous notre art de vivre qui est bon puisqu'il est fait de ce qu'il y a de meilleur. Et quand il dit ça, il est un peu critique vis-à-vis du monde du théâtre qui est intimement convaincu que tout le monde doit vivre la même expérience que celle des comédiens ou des metteurs en scène. Oui, donc vous revendiquez plutôt le droit à une expérience différenciée. Oui, alors je ne sais pas, mais Peter, vous, là, vous pensez dans un sens critique Oui, je pense qu'il a dit ça parce que je ne vous dis pas tout. Oui. Mais en tout cas, Peter Brook. On est convaincu que ce qu'on fait, c'est la moindre des choses, est fondamental. Et on oublie que ça vient de nous et on pourrait être amené à condamner d'autres personnes en leur disant bah, attendez, on vous donne ce qu'il y a de meilleur. Ah oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, bon, ben là, bien sûr, ça peut être une position verticale descendante pour laquelle l'éducation populaire, justement, ne cautionne pas. C'est-à-dire, oui, allez-y, je vous en prie. Il me semble que je vais rejoindre un peu ce que dit monsieur. Vous dites aller vers le public. Vous avez parlé du désir aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas partir justement des désirs du public? Leur demander quels sont leurs désirs, quels sont les thèmes qui les intéressent, et pas simplement partager une œuvre et avoir leur réaction sur cette œuvre. Comme vous avez raison. À tout moment, c'est le cas. C'est que maintenant, si vous voulez garder le micro et que je vous pose la question, quel serait votre désir? Profitons-en. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez y réfléchir un instant et vous allez me le dire après. Donc moi, je ne cesse que d'être dans cette relation-là. Hein. Simplement, lorsque nous travaillons, il y a une façon d'accompagner, de s'accompagner mutuellement, public et artiste. Et l'artiste cherche à un pas ou deux à aller vers un inconnu, y compris pour lui-même, c'est-à-dire que dans l'humanité, on cherche quelque chose, nous sommes un peu comme des guides dans le noir. On propose à quelqu'un de mettre la main sur notre épaule, de fermer ses yeux, et nous-mêmes, nous fermons nos yeux, nous avançons, mais nous avons, pas notre prudence, la responsabilité de chercher la décidération, c'est-à-dire d'aller un peu au-delà de ce qui est connu. Vous voyez ? Donc, amener vers l'inconnu, c'est un risque, hein, parce qu'il faut aussi se tromper. Ce que ne peut pas faire le théâtre privé, par exemple, il donne au public, en général, ce qu'il demande. Vous voyez, on peut réfléchir, si vous voulez, ensemble à cela. Donner ce que le public demande, c'est répondre à une demande qui peut être aussi la demande, par exemple, des élus politiques, d'emmener les gens dans une direction plutôt qu'une autre, de forger les cerveaux. C'est un peu ce que fait aussi, de manière très suave, la publicité, les industries culturelles, qu'on appelle culturelles, les industries de programmes télévisuels ou autres, qui délégue totalement le cerveau. Parce qu'on a cerné chez le public qu'est-ce qu'il attendait. L'artiste, il a cette responsabilité politique, encore une fois, et sociale, de ne pas le savoir pour lui-même. C'est pour ça qu'il tente aussi des aventures. Il demande, mets ta main sur mon épaule, j'avance, avec une intuition de se dire, déjà, ne pas oublier le passé, imaginer l'avenir, comme Kevin nous dit, en connaissant un peu le passé, les erreurs qu'on peut faire, exclure. On sait que ça mène à des drames, et plus que ça, des tragédies. Ne pas reconnaître la différence et la singularité des autres.
appelés donc à cette découverte d'un inconnu, sans non plus être, pour la métaphore qui suit, un kilomètre devant. Faire un pari, en fait. Hein, le pari, mais surtout pas être un kilomètre devant. Oui. Vous voyez, quand Jean-Pierre Vincent va dans à son centre dramatique, oui, à Strasbourg, ou autre, tout d'un coup, on est un kilomètre devant. Donc là, ça ne va plus. Il n'y a plus la relation. Vous voyez ? Excusez-moi, mais ça me paraît évident que vous, qui pensez théâtre, peut-être 24 sur 24, ou peut-être même endormant, peut-être. Oui, au contraire. Vous avez un acquis qui est bien supérieur, bien plus supérieur au public. Mais ça ne vous donne aucun pouvoir, hein, on est d'accord. Parce que je vous parle d'éducation populaire. Mais ça change la perception, tout ça. C'est ce que vous voulez dire. Et oui, donc il faut en effet. On va faire une proposition artistique sur mesure pour plaire à tout le monde, mais malgré tout, il y a une réalité. C'est appeler à dialoguer. Je crois que l'appel au dialogue, à cette relation de celui qui achève, voilà, la parole est de moitié à celui qui l'apprend et celui qui s'écoute, donner la parole, proposer la parole. C'est le contraire de l'obscénité. L'obscène, c'est ce qui est montré. Arrêtons de montrer, voyez, aux gens ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il y a une quantité de thématiques, hein, sur le genre, sur l'écologie, sur beaucoup de choses qu'on nous raconte, comme si on nous montrait des choses. Si on surlignait, en fait. Hein. Mais oui. Je crois que le travail théâtral, il est achevé comme le poème par celui qui en voit quelque chose, qui a compris quelque chose. Oui, j'ai des tas d'exemples comme ça. Puis pour rebondir sur ce que vous disiez, madame, sur pourquoi on n'interroge pas finalement le public sur ses désirs, ça pourrait aussi conduire par exemple à l'opéra. Tous les directeurs d'opéra vous disent que si on interroge les publics et les abonnés, on ne joue que Carmen. Hein. Oui, mais vous avez des petits théâtres, par exemple. On a un micro aussi. Des spectacles co-construits, oui, avec le public. Mais c'est ça qui est plus donné. Pas que des petits théâtres, puisque nous le faisons. Je vous ai donné des exemples. Oui. Hein, non, mais moi, je pensais à un petit théâtre où je faisais un atelier, justement, il y a quelques années. Ouais. Et on avait. Citez-le. C'est le théâtre de la mer. Voilà. Et on avait co-construit un spectacle avec la directrice, oui, sur un sujet qu'elle nous avait proposé quand même. Oui, bien sûr. C'était sur le prophète Khalil Gibran. Oui. Mais bon, ben voilà, ça c'est vraiment, les gens se sentent vraiment motivés. Mais complètement, mais ces expériences, elles sont pratiquées par beaucoup de gens, heureusement par beaucoup de gens aujourd'hui. La question c'est un peu dans quel cadre le service public, lui, évolue, et même la volonté de notre ministère. Vous voyez, les expériences individuelles, elles sont multiples. Alors à Marseille, il y a des bijoux, il y a des pépites. C'est vrai qu'aller vers le désir du public, c'est important, mais l'emmener vers une découverte, c'est fabuleux. Bien sûr, non, c'est pas. Voilà, c'est pas l'un contre l'autre. Mais faire les deux, c'est bien. C'est pas l'un, c'est pas l'un. Une autre question. Oui, bonjour. Moi, en fait, je voulais surtout revenir sur ces thèmes-là qui sont très importants, donc la relation avec le public, héritage. Moi qui travaille donc en tant d'accueil, j'ai cette mission, comme vous disiez, dans le cadre de mon directeur, dans le cadre d'Aliver, d'aller vers le public. Et moi, je ressens, parce que le terme que vous avez employé, que j'ai peut-être pas. C'est comme si on obligeait ces gens que vous avez désignés comme étant. J'ai pas le terme exact, vous avez dit ceux qui ne sont pas reculés. On les appelle empêchés. Empêchés. Dans les documents, officiels. C'est le mot qui est employé actuellement. Voilà. Et moi, je remarque forcément en tant que God, bah, qu'il y a encore une forme. J'attends par exemple beaucoup de la jeunesse de venir au théâtre, de justement ne pas être un petit peu brusqué, enfin de ne pas presque avoir peur d'aller au théâtre, au contraire. Et je me demandais, à un moment vous avez posé, vous avez dit, si on demandait donc au public par exemple de faire une sorte de sondage et que voilà, les abonnés, les opéras, ils diraient oui, mais on voudrait en gros avoir Carmen tous les soirs, peut-être. Est-ce que pour attirer ce public, moi que j'appelle jeune, de peut-être trouver de nouveaux outils,
Par exemple, je pense à un moment à l'Odéon, on avait eu, je crois, l'année dernière, des sortes de spectacles façon un peu stand-up, vous voyez. Et ça, c'est un public, comment dire, ces stand-uppers, de ces jeunes comédiens qui étaient sur scène. Ça parle aux jeunes, parce qu'ils les connaissent grâce aux réseaux sociaux, bien évidemment, grâce à des sketchs sur YouTube. Et peut-être, voilà, de faire une forme de rupture avec ce théâtre un peu classique, un théâtre, je sais pas, le Vaudeville, un théâtre, bah, je sais pas, de boulevard, mais de oui, pour attirer en tout cas les jeunes, de. Mais les jeunes vont déjà vers le stand-up. Oh, oui, il y a des salles théâtre à Marseille qui le pratiquent. Oui. Donc à la limite, pourquoi vous allez attirer les jeunes vers un genre théâtral vers lequel ils vont déjà instinctivement? Est-ce que c'est pas plus intéressant justement d'essayer de les emmener ailleurs? C'est vrai, effectivement, de les amener voir des pièces que habituellement, même si en cours, peut-être au lycée ou au collège, ils étudient ça. De même, en tout cas, il n'irait pas voir ces pièces. Moi, je me demandais s'il ne savait pas, oui, peut-être un lien avec ce qu'on propose au théâtre, peut-être, voilà, de couper un peu avec le théâtre, voilà, dit classique, et faire peut-être plus en contemporain. Je vois, par exemple, qu'au Bernardine, on est beaucoup dans le théâtre contemporain, et il y a quand même, pas encore, je ressens, ça, c'est vraiment mon opinion là-dessus, qu'il n'y a pas encore un mélange, on va dire, dans le public. Moi, je vois que j'accueille tous les soirs avec grand plaisir, mais je sens que c'est. Enfin, je ne sais pas comment vous. C'est pas encore un brassage des âges et des catégories sociaux. Voilà. Mais ça, vous avez sans doute raison, mais vous voyez, tout à l'heure, on a brièvement cité le cas de Thomas Ostermeyer, par exemple. Thomas Ostermeyer, c'est un metteur en scène allemand qui. Fait des représentations en allemand, qui fait souvent des spectacles longs. Et au Festival d'Avignon, ben c'est à 80% rempli de jeunes gens. Vous êtes venu à la Criée récemment? Je vais travailler à la Criée là prochainement. Pour Ivo Van Hove, pour. C'est celui-là, oui, effectivement. Pour avant la répétition Persona. Je vais en tout cas cette semaine. Voilà. Non, je dis ça parce que notre public de la Criée, c'est quand même 30% de jeunes gens. Ah, d'accord, 30%, d'accord. Et, officiellement. Donc, ça, vous, comment dire, quand vous calculez, on va dire, ce pourcentage, c'est vous vous basez, par exemple, sur les abonnements, sur. Les abonnements, c'est moins la place des jeunes dans les abonnements, oui, c'est plus la réalité de leur présence, tout simplement. Ah, d'accord, oui, de voir, d'accord, dans le public. C'est des enquêtes publiques, j'imagine. D'accord. Merci en tout cas pour m'avoir répondu. Quant au répertoire, vous regarderez à nouveau le Rédacteur de la Crédit cette année, sur la place du théâtre contemporain, importante. Mais je crois qu'il ne faut pas laisser tomber non plus les grands textes du répertoire. Je pense qu'on en a aussi besoin. Et d'autant plus s'ils sont travaillés, alors un peu malheureusement, dans le cadre scolaire, d'une façon fatigante. Poussiéreuse. Ben oui, ça peut arriver. Par exemple, moi, je prends le pari après avoir créé un spectacle volontairement perturbant, si vous avez qu'à l'appel, Aristophane, de créer un texte, de jouer un texte racine qui est joué à l'école, en me disant que le pari, c'est que cette jeunesse adore et a envie d'entendre cette langue-là aussi, qui est le propre de notre théâtre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas le théâtre allemand, le théâtre italien, le théâtre anglais, et il y a dans le théâtre français quelque chose de langagier qui est très puissant, qu'il ne faudrait pas laisser tomber. Donc c'est une part de notre responsabilité, après de goût, hein, de dire, bah, je vous mettez votre main sur mon épaule et puis je vous emmène un petit peu pour que vous entendiez différemment Phèdre ou autre chose. Peut-être que vous l'avez déjà vu, moi-même, parfois je n'ai pas compris ce qu'on me racontait. Donc, c'est comme Jacques qui dit, on est informé, nous, mais on va pas, nous allons au théâtre et on ne comprend pas. Donc, il n'y a rien de pire que de se dire, je ne sais pas de quoi on parle. D'ailleurs, vous avez monté des textes classiques avec une très pulsée, très
C'était là aussi, il y avait beaucoup de jeunes dans la salle, j'ai le souvenir, au Théâtre du Chêne Noir à Avignon. C'était Andromaque, je crois. Voilà, c'était Andromaque, et c'était très pulsé, il y avait ce ring qui était assez... Ce qui ne veut pas dire qu'on fait des effets structuralistes, de forme, si vous voulez, où d'un coup on met des gens tout nus, où d'un coup ça se suffit à soi-même pour être... Il y avait des magnifiques costumes d'ailleurs, ils étaient pas tous nus. Enfin, moi je sais, je tente d'être villarien justement dans cette prochaine étape, où il ne se passe rien que du texte, et un spectateur qui achève par sa compréhension complète, donc l'ambition très prétentieuse, hein, c'est de dire que j'ai envie que le public perçoive absolument tout. Que chaque phrase dite, qui sont des alexandrins en l'occurrence, qui sont permutées, donc qui sont complexes au niveau de la rime et au niveau de la syntaxe et de la phonétique, qui rendent les choses souvent impossibles à comprendre, c'est le propre de ce théâtre poétique, bien qu'il soit comme au bout de quelques minutes, pas la première, parce que nous sommes dans la prose et tout d'un coup on se propulse dans l'alexandrin, et que l'alexandrin, qui est tout un pan de notre théâtre national, soit à nouveau aujourd'hui poli, quoi, comme un objet duquel on a poli l'éclat. Et ça fait sonner vraiment le texte différemment. Enfin, moi, j'ai envie de finir. Ça vous aurait intéressé parce que c'est vraiment. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans le texte classique. Mmh. Et c'est une façon de le faire sonner et résonner qui était assez. Et le jeune homme qui fait du slam n'a qu'une envie, c'est de travailler en slam ce texte-là ensuite, parce que d'un coup, dans son rythme à lui, il a senti quelque chose qui était extrêmement beau, qui est juste la poésie pure, quoi, d'un jeune homme qui écrit, parce qu'on croit que les auteurs, ils ont 100 ans. Mais ils ont 100 ans de temps passé depuis qu'ils ont écrit, ou 200 ou 300. Mais ils ont 20 ans quand ils écrivent, ou 25 ans. Ce sont des jeunes gens quand ils écrivent. Et ils révolutionnent quelque chose au moment où ils le font. Donc se remettre à l'endroit du poème dramatique et de la poésie, tout simplement. Dont on manque beaucoup, je trouve, parfois dans un théâtre qui est volontairement ou naturaliste, ou très ancré dans des soucis, des préoccupations du quotidien qui font que on les vit tous les jours et qu'on a envie de rêver autre chose. Ne serait-ce que de voir parfois un costume différent, une lumière différente et un parler différent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez rêvé à ce que vous souhaiteriez? La question du désir. Déjà, toutes les œuvres qui sont présentées en général, classiques ou même dans le contemporain, me plaisent. Donc, je ne sais pas si je pourrais trouver quelque chose de plus. Comment dire? Quelque chose d'original par rapport à tout ce qui existe. Donc, il faudrait que j'y réfléchisse assez longtemps quand même. Ou alors, c'est l'expérience de la co-construction qui vous plairait à nouveau, peut-être. Oui, non, mais je ne parlais pas spécialement pour moi. Hein. Je parlais pour attirer des publics. Oui, chaque membre du public parle pour lui. Oui. Oui, non. Enfin, moi, dans mon cas, là, c'était pas ça. C'était plus une réflexion générale. Bon, ça, c'est une question importante de vous citer. C'est que nous, notre souci, mais c'est un peu, ça parcourt un tout petit peu la pensée de la semaine de la philosophie. C'est ce mot émancipation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de quel droit on se dirait vous êtes assigné, vous êtes esclave de quelque chose, nous allons vous libérer. En gros, la position, ce n'est pas celle-là. Elle est celle, encore une fois, de l'éducation populaire, où celui qui est en train de vivre une expérience et celui qui provoque l'expérience sont à égalité absolue. Je sais, c'est pour ça que je resitue pour que vous puissiez prendre la parole, Jacques. Oui, tout à fait, mais vous conviendrez qu'il y a toute une génération de metteurs en scène qui étaient dans cette posture. Je ne vous le fais pas dire. Absolument. J'ai vécu, puisque j'ai été acteur avec eux, je peux vous le dire, y compris dans des lieux d'élite absolus, cours de Verne d'Avignon. Mais justement, on peut remettre sur l'établi cette réflexion de Romain Rolland, de Jean Villard, aujourd'hui. Et je pense que nous avons beaucoup d'espoir si nous dialoguons autour de ces questions fondamentales de notre commune humanité, de notre commune socialité, aujourd'hui ajoutons notre commune naturalité, c'est tout à fait nouveau, il n'était pas dans ce cadre la question de faire, comme on était encore sur Rousseau, sur Descartes plutôt, l'homme toute puissance sur la nature. Aujourd'hui, on voit bien que la nature, elle est prête à nous dévorer, hein, donc nous en sommes partis humblement. Donc remettre toutes ces questions ensemble, politiques, et surtout pas d'exclusion. Nous nous parlons quand même à une époque, là j'ai parlé de la reconstruction après les nazistes et les fascismes. Voilà, à nouveau, cette question-là, c'est pas de dire tu vas sortir de tes chaînes, pauvre esclave que tu es, c'est nous-mêmes, nous sommes esclaves ici, hein, nous avons eu la chance de bénéficier de la démocratisation, et c'est mon cas, encore je vous ai dit, je suis vraiment enfant de province, fils de gendarme, mais j'ai vécu la démocratisation de toutes ces décennies, et à des degrés incandescents, parce que j'ai été
était au feu, quoi, carrément, au plateau, avec des metteurs en scène qui ont vécu tout ça. Aujourd'hui, à la Criée, mon souci, c'est de rassembler ces décennies pour redialoguer à nouveau au bon endroit avec lui, ensemble, à égalité que nous sommes, faisant partie de la même unité de citoyens. Et de réfléchir en effet à qu'est-ce que le théâtre aujourd'hui. Et il me semble qu'on a énormément besoin de théâtre. Énormément. Y compris des jeunes gens qui ne le savent pas encore. Mais quand ils vont découvrir ce que c'est que pour eux, l'écriture, la place. Alors, parler du stand-up, il n'y a rien de plus agréable qu'un jeune homme qui se dit « Ah, je suis capable d'être devant 500 personnes et d'y aller. » C'est formidable. L'expression est formidable. Il ne faut pas qu'elle se résume à ça. Parce que l'expérience collective du théâtre, c'est autre chose que la monstration d'un individu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui spéculent sur cette intention, y compris au point de vue d'organisation politique, hein, qui achètent aujourd'hui des théâtres, qui étaient des théâtres qui sont devenus en délégation de service public, donc ils savent que le marché, mettre un jeune homme devant une jeune femme devant 1000 personnes, c'est beaucoup plus rentable que de faire de la création théâtrale. Avec décor, on compte le spectateur. Mais la qualité, c'est pas la même chose. Ce qui se passe chez l'un ou chez l'autre, c'est la qualité de l'éclosion, pas le nombre de personnes en train d'éclore. Et notre ministère aujourd'hui, il est complexe sur ces questions parce qu'il nous demande de plus en plus du nombre. Faites du nombre. Ah, c'est plein votre théâtre, c'est formidable. La Criée est pleine à 87%. C'est quand même merveilleux. Ce qui m'intéresse, c'est que ce ne soient pas les mêmes tous les jours que j'aime, par ailleurs, que je remercie ô combien qu'ils soient présents. Mais donc je tente qu'il y ait des quotas d'au moins 10, 20, 30% de gens, y compris s'il y a des sièges vides, je serai patient pour qu'on les rencontre à Marseille. Oui. N'hésitez pas à... Moi, c'est simplement une question plus terre à terre, surtout par l'accessibilité pour le théâtre. Et c'est vrai que le problème financier est important. Et c'est vrai qu'actuellement, bon, si on prend un abonnement pour aller dans une salle de spectacle, ça coûte assez. Moi, j'aimerais pouvoir, en cours d'année, voir des spectacles dans différents théâtres, mais souvent c'est complet. Et c'est plus possible de prendre des places dans les différents théâtres. Parce qu'il y a un système d'abonnement qui fait que vous êtes obligé de financer un abonnement en début de saison sur un seul théâtre. Et si vous ne le faites pas, vous n'avez plus de place. Mais plus de place après. Mm-hmm. Et vous avez un minimum de spectacles à réserver pour faire partie, pour adhérer. Vous devez pouvoir assister à différents théâtres. Oui. Bien sûr, il faudrait que vous puissiez, si vous le souhaitez, aller dans tous les lieux. Mais moi, je ne peux parler pour l'instant que de la politique que nous menons avec l'équipe de la Criée. Allez voir quand même l'organisation, justement, de ce point de vue-là. Parce qu'il y a toujours la possibilité. Bon, alors on pourrait se dire que c'est formidable que ça soit plein, mais, voilà. Mais en même, dans le même temps, c'est vrai que... Et le plaisir, c'est l'imprévu aussi. Oui, je le partage avec vous. Venez à la Criée n'importe quand. Je pense que vous aurez une place. Et à des prix que vous connaissez, puisque ça va de 0 euros dans certaines circonstances, puisqu'il y a des places que l'on offre à certaines personnes qui ne peuvent pas, et puis de 6 euros à 20 et quelques euros, 25 euros. Donc je pense que voilà, on peut se parler de cette question. Mais c'est en parlant aussi que l'on... C'est vrai que nous, à la Provence, c'est un sujet que les lecteurs nous renvoient souvent. On nous alerte souvent sur ce problème. Parce qu'on fait des papiers pour dire ce soir au théâtre... il y a ça, et on nous appelle pour dire ah oui, mais c'est complet déjà. C'est un retour qu'on a souvent. C'est peut-être plus motivant. Mais oui, et on fera plus de représentations. C'est ça, il faut jouer plus souvent. Voilà. C'est la question, c'est que si on se dit qu'il y a 3000 spectateurs dans une salle de 800 places comme la nôtre, 870 places, 800 places, 270 à côté, 1000 places allez, tous les jours, une ville de 850 000 habitants, on pourrait durer plus longtemps que 3 ou 4 représentations qui font les 3000 personnes qui sont régulières.
Si l'on montre en effet que l'élargissement du public permet de jouer plus longtemps, la série par exemple, il faut accepter l'idée que bah, la première semaine c'est plein, les 3-4 premiers jours ce sont ceux que vous avez dit, la deuxième il y a un petit creux, puis la troisième, si le spectacle est bon, eh bien, on continue à remplir. Et là il faut travailler avec des publics qui ne sont pas susceptibles de venir dans la semaine, parce qu'il faut les informer. Donc les relais en effet sont très importants, merci à la Provence. Et puis à celles et ceux qui travaillent dans ce domaine, qui est une forme de médiation aussi, bien sûr, du média. Mais c'est vrai qu'avant, autrefois, il y avait beaucoup plus de représentations d'une pièce sur la durée. Alors, ça, c'est un peu. Moi, j'ai tenté quand même 3 semaines, si vous voulez. Oui, dire, oui. Voilà, je reprends plus ce chantier hein, avec vous. On reprend hein, ce chantier de la série pour être partenaire. Je peux vous demander parmi vous s'il y a. Il y a des gens qui viennent à me crier parce que je ne sais pas en fait qui vous êtes. Oui. Nous, France, oui, c'est. D'accord, merci. Et au Festival d'Avignon ? Ah. Ah oui, quand même. Bon, ben, ça fait plaisir. Dans le off, vous voulez dire oui, entre autres, mais je dirais que j'y suis allée quelques fois dans des spectacles que j'ai beaucoup appréciés et qui m'ont marqué. Mais en même temps, je suis très partagée sur le fait que la ville se transforme en véritable barbeur. On en discutait avec Jacques Serrano juste avant. Non, pas du tout. En fait, c'est une des rares villes qui est transformée par son festival. C'est très rare. J'ai fait des études dans les transformations d'Avignon au moment du festival. Je les connais à peu près depuis plus de 40 ans. Mais là, vous le vivez mal. Sans doute un vieillissement qui s'est ajouté à mes expériences de jeunesse. Mes expériences de jeunesse, c'était quand même un peu violent parce qu'effectivement, il y avait des heures où on sortir, etc. Moi, venant de Marseille et la ville associée à Chicago avec cette délinquance terrible, j'ai beaucoup plus souffert à Avignon à l'époque. Mais voilà, le problème, je pense, c'est ça, c'est-à-dire après, il y a tellement de spectacles, on a du mal à trier, même si on aurait envie d'en avoir davantage, et dans la ville, ça devient assez difficile de circuler au sens propre. Moi, je circule essentiellement à pied, c'est compliqué. Ah, pourtant, c'est à pied que c'est plus facile à Avignon. Hein. Oui, certainement, mais de toute façon, c'est bloqué. Tout l'accès au centre-ville est bloqué. Alors, oui, certainement que c'est un peu impressionnant de voir cette ville qui est complètement transformée, mais je pense qu'il faut faire un travail, il faut préparer, je pense, sa venue à Avignon. En fait, il faut sélectionner. Il y a beaucoup de place pour l'imprévu. Ouais. L'imprévu, ouais. Il y a une part magique dans l'imprévu. Mmh. Donc, il faudrait oublier l'imprévu et programmer ça comme quelque chose très scolairement. Ah oui. Ça se prépare, ça venait au Festival d'Avignon, ça se prépare effectivement. Ne serait-ce que parce qu'à l'ouverture de la billetterie, c'est hyper compliqué d'avoir accès aux billets, on est en position, il y a un ordre de passage, c'est très compliqué. Cela dit, tous les directeurs du Festival d'Avignon que j'ai connus m'ont toujours dit qu'à partir du 14 juillet, on trouve facilement des places dans le line. Par deux, hein. Après, si vous voulez 12 places, c'est plus compliqué, mais par deux, c'est plus facile. Alors là, nous parlons de grands lieux ou des grands festivals. Il faut penser aussi à toutes les compagnies qui sont des compagnies indépendantes, qui sont des compagnies qui ont de grandes difficultés. Et là, de plus en plus, c'est complexe pour elles. Il faut quand même penser à elles. Parce que... De faire le off, par exemple. Ben oui, pour des raisons marchandes aussi. Hein. Vous voyez, par exemple, vous parlez du off, qui est un domaine privé. C'est-à-dire que la personne elle loue son garage, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, voilà, pour une, deux heures, une heure. Enfin, vous voyez, ça devient un commerce absolument gigantesque.
Et j'ai plutôt axé ma pensée sur le service public et sur le partage où le spectateur est dans un cadre d'accessibilité sans aucun problème non plus, quoi. Là, vous vivez parfois des choses dans des salles qui n'ont pas de climatisation, où vous êtes dans des garages, dans des lieux qui coûtent cher, où les compagnies se saignent pour venir. Sans parler que du Festival d'Avignon, au quotidien, aujourd'hui, les compagnies ne sont pas favorisées. Ça, c'est un contexte politique dans notre pays. Alors, il faut penser qu'encore une fois, merci à la France, hein. Merci pour son service public. Mais cependant, bah, il est érodé en ce moment. À nous de le décider. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai peut-être une question. Si je peux me permettre. J'avais une question sur ce que vous parliez de vos spectateurs. Est-ce que vous voyez toujours les mêmes? Est-ce que la thématique de l'entre-soi, c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez aussi? Justement, c'était une question qu'on avait prévue avant de passer la parole au public. Comment sortir de l'entre-soi, justement, au théâtre? Et c'est un peu le thème, quand l'art pour tous, la grande illusion, ça se rejoint. Absolument, c'est le thème des rencontres de la pop philosophie. Je crois que nous n'avons eu de cesse durant cette conversation que de ne parler que de cette question, c'est-à-dire à permettre à tous, toutes, d'avoir ce désir de venir à la source de quelque chose que parfois on ignore totalement. Donc ça se travaille sur le long terme. Encore une fois, l'éducation nationale particulièrement, est une vraie possibilité, l'éducation artistique et culturelle, et puis le volontarisme des animateurs, appelons-les comme ça aussi, toujours les directrices, directeurs de lieux, pour créer cette relation avec les publics qui ne sont pas encore publics. On est passé vite sur 68, mais c'était la déclaration de Villeurbanne également qui parlait du non-public. Moi, j'appelle le non-encore public, qui m'intéresse le plus, le non-encore public, pour justement sortir de l'entre-soi. Alors, justement, par rapport à ça, à l'entre-soi, justement, et cette ouverture d'esprit donc, que vous prenez, je voulais vous faire part d'une expérience personnelle. Je fais partie d'un groupe de musique rock qui a 46 ans d'existence. Citez le nom, on vous a tous reconnu de toute façon. Peut-être vous m'avez reconnu, mais ça ne s'appelle pas le quartier Nord. Rock et à la fin des années 90, nous avons eu le désir, c'était une idée qui nous trottait dans la tête depuis le début, depuis la naissance du groupe, de composer, à l'époque c'était une opérette rock marseillaise, donc avec le langage marseillais qui était notre identité, etc. Et il se trouve que on a cherché des théâtres, et là, c'est là où le gros problème. Alors, il y a déjà le spectateur, une partie de notre public disait, nous, on n'y va pas parce que c'est dans un théâtre. Et là, on s'est aperçu, nous, on n'était pas du tout dans cet état d'esprit, mais on s'est aperçu à quel point le théâtre pouvait représenter pour des gens qui allaient au concert, par exemple, un temple. Moi, ça m'a fait penser à un temple avec ses rites. Et là, on s'est dit, on va avoir du mal à drainer notre public. Et puis, il y a les théâtres. Il y a un théâtre qui nous a ouvert ses portes, c'est le théâtre Tourski. Aucun autre. Parce que les autres disaient, ça ne correspond pas à notre image. Et voilà, cette image, même théâtre nous ont dit, ça ne correspond pas à notre image. Alors je me disais... À leur image ou à leur ligne artistique? Ben, eux disaient l'image, ça ne correspond pas à notre image. Mais plusieurs nous ont dit ça. Alors nous, on s'est dit, mais alors, tous ces théâtres ont la même image. Peut-être qu'ils se font d'eux-mêmes, mais ça ne correspond pas à notre image. Donc, difficulté de là où on venait, un groupe de musique qui a une idée en plus. On a rempli les salles pendant 20 ans. Donc, parce que là, c'était une, mais on en a fait plusieurs. Mais toujours ce problème de trouver
un endroit qui puisse nous accueillir. Et maintenant, le théâtre Tourski est dans la situation où il est actuellement, il n'y a plus personne. Là, alors là, c'est fini. Donc, on s'est arrêté. On s'est arrêté, puisqu'en plus, il y a les subventions qui ne viennent plus. Donc, on s'est dit, plus possible de continuer à travailler sans l'argent et sans le théâtre qui nous accueille. Mais c'est pour ça que je voulais souligner à quel point votre démarche était particulière, quoi. Parce que, enfin, moi, la vision, je ne suis pas homme de théâtre, mais pour moi, le théâtre, c'est vraiment un milieu très clos. Intimidant. Oui, pas pour moi, mais pour moi, pour le public. Pour le public intimidant, pas que pour le public du rock, je pense. Et pour moi, clos. Je comprends parfaitement ce que vous dites et j'y souscris. Hein. C'est ce à quoi nous travaillons, justement, hein, à se dire que c'est un outil formidable pour se rencontrer, pour se retrouver et pour donner des représentations du monde qui nous appartiennent à tous et qui viennent aussi de la population. Et que c'est pas du entre-soi. Il ne faut pas que ce soit du entre-soi. C'est justement contre cet élitisme. Élitaire, mais pas dire élitisme. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a le droit à cette rêverie poétique. Ou festive, mais il faut en avoir l'offre. Oui. Par ailleurs, évidemment, les lieux de théâtre, pour ne parler que de la Criée, nous avons 165 levées de rideaux par an, d'œuvres qui, à chaque fois, et puis donc, tous ces spectateurs qui sont là. Mais la grande difficulté à Marseille tout de même, c'est la carence de lieux. La réalité tout de même, malgré le nombre formidable. Quarantaine de théâtres dans la ville, hein. Oui, oui. Mais par exemple, pour des plateaux un peu larges, il n'y a que le Théâtre National de Marseille La Criée. Si bien que pour le BNM, ou pour Angelin Préjocage, pour la danse, pour des... Ça ne peut être que chez vous, que sur le grand. Voilà. Et nous, dans notre mission, dans ma mission, c'est une mission d'art dramatique. Alors, ma prédécessrice, Macha, Makayev, avait ouvert un peu à toutes les disciplines. Et c'est une chance. À ce moment-là pour elle de pouvoir le faire. Moi, je réaxe les choses autour de la question de l'art dramatique parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans suprématie aucune, le théâtre, c'est un outil de citoyenneté formidable. Qu'il faut le travail, c'est de retrouver ce chemin du plateau partagé avec tous et autour de cette fiction à se raconter, c'est-à-dire se faire des récits. Et la fête, elle est essentielle. Nous faisons des balles, par exemple, à Criée. Je disais tout à l'heure que Jean Villard faisait des balles. Nous faisons des balles avec Chou, Tristan, ou avec... le bal imaginaire, qui est un groupe, ce sont des musiques très, vous auriez votre place, tout à fait, mais offrir le plateau pour un temps musical, c'est un choix vraiment, voilà, il faut l'organiser au milieu de tout, c'est-à-dire renoncer à la question art dramatique à un moment, ce soir-là ou ces soirs-là. Oui. Donc, c'est à Marseille seulement, enfin à La Criée, que l'on peut faire. Un lien avec Marseille Concert, oui. Il y a le même exemple sur d'autres musiques. J'adore le rock et ça me va bien. Mais il y a aussi des œuvres plus opératiques ou plus musicales qui ne peuvent se faire que dans le cadre du plateau de La Criée. Et là, il faut offrir des temps. Et même avec Jacques, ces rencontres de la philosophie, de temps en temps, elles ont lieu à La Criée, puis parfois elles ne peuvent pas. Parce qu'on n'a pas les plateaux libres. Donc on n'a pas pu organiser la chose. Oui. Je revenais pour ce dont on parlait avant, et c'était le rapport au public, justement, et la jeunesse. Et moi, je trouve que depuis. J'étais là à la première création, Marcel Maréchal, sur les plateaux de La Criée, avant qu'il ne soit encore mis. Qu'il soit refait, entièrement. Et en passant par Macha, et puis vous maintenant, moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'évolution, de changements. Mais qu'à l'heure actuelle, j'ai été étonnée ces derniers temps d'avoir beaucoup de jeunesse. Beaucoup de jeunesse de tout horizon. L'habitude qu'on voit de la jeunesse, c'est des classes entières. Là, non, c'est des jeunes individuels. Et j'ai trouvé ça formidable. Quoi. C'est plus des retraités comme moi. Bon, ça me fait plaisir. Mais vraiment, sincèrement, ça a été vraiment très. Certaines démocratisations du théâtre. Je vous invite à le dire parce que c'est vraiment un changement
La pièce commence dans le hall du théâtre et on est amené petit à petit sur une scène dans une salle fermée. Mais la salle fermée, bon, l'escalier, hein, mais bon, on n'est pas très bien assis, hein, ben, tout le monde le sait bien à la criée quand même, mais je trouve ça formidable. Vous voyez qu'on est mal assis à la criée ? Oui, on n'a pas de place pour les jambes. Ah, mais. Oui, alors elle date de 1981. Mais tout ce que vous avez dit en premier, oui, merci infiniment. Non, mais je comprends tous ça avec du bonheur, puisque bon, mais bon, il y a des rangs, il y a des rangs où il n'y a rien devant. Hein. Il y a des rangs et certains, voilà. Prenez les places K, le rang K. Ouais, mais dans le cas du ciment. Prenez le rang K, parce qu'il y a 2 mètres pour les jambes. Et merci pour ce que vous avez dit sur la jeunesse. Ah non, évidemment que c'est ce que je souhaite et que nous tentons de faire ensemble. Oui, allez-y. Mais, quelle jeunesse ? Comment faire pour toucher davantage les jeunes, les enfants, les quartiers populaires qui sont dans des difficultés financières, qui ont des difficultés culturelles, puisque les parents, en général, voilà, quoi. C'est beaucoup plus facile quand on est dans une famille où on parle de culture, quand même, de s'y intéresser. Voilà, alors comment faire ? Mais ça, c'est une question presque éternelle. Hein, oui, bien sûr, mais je vous réponds. Ce sont les relais. Mais encore une fois, venez regarder le public de la CRIE, vous allez voir. Donc, oui, alors, la jeunesse de Marseille aujourd'hui, colorée, dans sa diversité, elle est présente. Il faut que sur le plateau aussi, nous proposions des œuvres qui ressemblent à la population. Vous allez pouvoir voir, par exemple, La Tendresse. La Tendresse, c'était les jeunes hommes. Mais il y a Désobéir. Qui arrive dans quelques temps, venez ce soir-là, vous allez voir ce qui se passe. Les jeunes filles qui sont sur le plateau ressemblent à des jeunes filles de ces quartiers de Marseille, mais je ne veux pas faire que ça, je veux dire non plus. C'est pour moi très important. Donc, encore une fois, ne pensez pas que la question, c'est d'aller repêcher les gens du 14e ou du 15e. Ils viennent s'ils ont envie de venir, mais j'ai besoin d'eux aussi. Et donc, il faut des spectacles qui leur permettent de s'identifier totalement. Je parlais des femmes, des dames de Noailles, et bien, elles étaient nombreuses là parce que le spectacle parlait d'elles, etc. Et il y a toutes les. Mais ça pourrait être des niches de spectateurs, mais je n'aime pas penser en silon. J'ai envie que tous aient droit. Voilà. Nous avons écrit sur le fronton de la criée, pour les droits de chacun à son imaginaire, chacun, chacune, hein, à son imaginaire, pour une vie ensemble, unie et solidaire. C'est son deux Alexandrins au passage, ça permet que la langue soit là. Mais voilà, je pense que ça dit ce que ça veut dire. Et puis il faut que tous y aient droit, parce que ce sont des droits, on appelle ça des droits culturels, très important, mais que ça ne soit pas performatif. Vous ne voulez pas dire, bah, il y a les droits de chacun. Non, il faut en effet du volontarisme. Il y a des équipes entières. J'ai augmenté l'équipe, ce qu'on appelle le groupe des relations avec le public. Nous avons commencé par ça tout à l'heure. Mais à la CRIE, il y a un groupe constitué très important de salariés qui ont pour mission d'aller travailler avec la Ligue de l'enseignement, avec, je l'ai dit, les quartiers, les centres sociaux, les maisons de quartier, etc. C'est un travail vraiment agressif, je vais dire, dans le sens de la volonté. La pente est très dure à remonter. Et d'autres grands acteurs culturels mènent ce travail aussi. Le ZEF travaille énormément. Oh combien avec le quartier, elle fait un super boulot. Le MUSEM affrète un bus, je crois, plusieurs fois par mois pour aller justement chercher dans les quartiers ceux qui n'ont pas la possibilité de venir au MUSEM, en se disant que les enfants sont prescripteurs, que les enfants vont dire à leurs parents de venir, et ça marche plutôt bien. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées dans ce sens. Ça ne sera jamais assez. Il faut se dire aussi que la pente est tellement rude du point de vue des industries de programmes dont je parlais tout à l'heure, qui viennent écerveler les cerveaux de nos enfants. Et là aussi, c'est un point politique, puisque ce sont des industries qu'on dit culturelles, hein, des réseaux sociaux, du semblant de social, mais qui n'a rien de social, puisque ce sont des gens qui se parlent justement entre soi, et qui créent des unités, ou qui regardent des chaînes de télévision programmées pour de la fausse information, ou pour... Donc c'est aussi la lutte que nous avons en tant que citoyens de résister, ou de destituer, ou de déstabiliser celles et ceux qui entraînent vers de l'exclusion, qui rejette la capacité de penser par soi-même et d'ouvrir à l'esprit de la différence, si vous voulez. Donc là, c'est un chemin politique qui dépend. Nous ne sommes pas, nous, seulement être capables de résister à cela. C'est tous ensemble, la citoyenneté, à rejeter ça et à le dénoncer. L'industrie culturelle, on l'appelle comme ça, vous voyez, les mots comme ils se sont bien assimilés. Le mot culturel, les industries culturelles. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'artisanat,
Le théâtre, c'est un artisanat, c'est une entreprise artisanale qui met en relation profonde des publics avec des œuvres et des auteurs. Voilà. Donc notre premier ennemi, c'est l'industrie culturelle aujourd'hui. Ce sont les réseaux qu'on vit sociaux, ce sont les outils de sidération. Et nous étions à un moment même le ministère de la communication et de la culture. La culture et de la communication. Nous nous parlons des arts, c'est-à-dire une pratique qui nous rassemble dans une communion qui est laïque, hein, ça va de soi, la laïcité et le paix, mais dans un rapport de partenariat entre public et artiste. Et il faut sans arrêt remettre à l'établi, à l'atelier, c'est ce qu'on fait en fait aujourd'hui, de nous parler, de désirer autre chose que ce qui nous est proposé, et de construire ensemble. En tout cas, c'est ce que je vous appelle à faire au théâtre de la Criée et dans tout le théâtre de Marseille.